Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, c'est une tranche de Contact Pro Live où nous analysons la situation en République démocratique du Congo et nous réagissons sur l'actualité de la semaine. Nous allons réagir sur l'actualité qui assure le gouvernement congolais est en train de négocier secrètement à Luanda avec le M23. Et nous continuons à nous poser la question de savoir pourquoi est-ce que la population est contre cette négociation. Et ici, dans cette tranche, nous allons essayer un peu de vous brosser notre position sur la négociation. Pourquoi est-ce que Félix doit négocier et pourquoi est-ce que Félix le fait secrètement? Est-ce que ça sera ouverte, ça sera à la portée maintenant de tout le monde que nous sommes faibles parce que la situation à l'est de la République démocratique du Congo continue à se dégrader de plus en plus. Goma continue à être asphyxié par le M23 qui continue à gagner du terrain. Et les M23 ont été invités à Luanda et ils ont eu des visas. Vous avez compris qu'il y avait quelque part où on refusait de négocier avec ces gens-là. Et nous pensons ceci. Que cela n'est pas la faute de M23, ce n'est pas la faute du peuple congolais, parce que le peuple congolais, nous pensons qu'il a été induit en erreur, parce que le gouvernement de Kinshasa est en train de commettre des erreurs que lui-même a creusées. Donc ce sont des pièges que Yemoko Bakonzinabiso, Bachakibiso Nakati, ne sachant pas qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre par la force, il fallait trouver une autre méthode. Bien qu'ils le fait, ils le font par exemple avec beaucoup d'hésitation parce que l'opinion publique congolaise ne veut plus de ce que cette négociation ait lieu. Pourquoi? Parce que nous avions pratiquement classé l'agression comme une certaine forme de terrorisme, de terroristes qui sont en train de nous envahir et notre pays est envahi par les Rwandais, soi-disant les Rwandais qui est en train de nous agresser. Maintenant ici, ma réaction c'est sur justement pourquoi nous devons négocier. Pourquoi est-ce que nous hésitons à négocier? Parce que nous-mêmes nous avions creusé ce trou-là, Bandeko. Si Magloire Paluku et les autres députés ont demandé à ce qu'ils puissent négocier, c'est pas pour rien. Parce que notre force, notre armée n'est pas capable de gagner cette guerre-là militairement. Mais nous n'avons pas tenu compte de ça. Malgré que Bisso Moko Toyebaki que non, en tout cas, faire des scènes à Bisso et Zali Nangona Makasite, faire des scènes à Bisso et Kokiko Kolonga guerre ou Anate. Mais nous sommes entêtés en disant que non, faire des scènes à Bisso et Kosala, toko beta bango, toko bimisa bango, nakatia ya mboka na Bisso, toko zwa, toko sala Bisso. Nous avions cette foi-là et ce n'est pas mauvais d'avoir cette foi-là. Mais nous devons être réalistes. Photos à la réaliste. Ngana Ibsa Kabino déjà depuis le Bandelike, non. Armée na Bisso, et puis nous avions reconnu que Armée na Bisso, kokiko kokolonga bitumbate na ndenge ya kobunda. Armée Nabisso est tellement infiltrée, nous devions commencer d'abord par nous organiser en interne pour que token de la négociation. Alors, le lo oyo na Luanda, ba négociation est okende timidement, ba twazo kokoma, on se converge maintenant vers cette négociation là. Mais maintenant nous nous retrouvons dans une situation où le peuple ne veut plus de cette négociation à l'est de la République démocratique du Congo. Eza erreur à peuple ou bientôt eza erreur à ba dirigeant. Cette faute là, moi je pense que eza faute à ba dirigeant Nabisso. Un, parce que nous avions très foi à notre armée, que nous savions nous-mêmes que non, armée Nabisso est infiltrée, armée Nabisso tokoko kabilo koyote. Certaines personnalités, yangwana nazolo ba awa ba Magloire Paluku ba bandeko lobango déjà un peu timidement que non, to négocier, to lingi ko négocier te. Mais je vais vous dire une chose, la négociation c'est une forme aussi, yako silisa bitumba, yako mettre, nous voulons la paix.
Le président de la République aux Comores avait dit que non, lui ne veut pas la guerre. Parce qu'à un certain moment, il s'est rendu compte que même à Tatozana 50 000 hommes, l'armée n'a pas la forme de l'armée. Sur le plan international, tu disqualifies déjà que Batouana Bazaba terroriste. Maintenant, la communauté internationale qui commence à nous convaincre que non, Batouana Bazaba terroriste, tu es Congolais, Bazako réclamé, droit na bango, tout ça. Où est-ce que nous devrions commencer, Bandeko? Tokokai ko bandela wapi? Où est-ce que nous devrions commencer? C'est ça la question. Yango nanga na zolo bana lobi, gouvernement na biso tozali ko tia babiloko ya pressé nous réagissions à ce qui se passe sans que nous puissions réfléchir le fondement de ce que pour comment est-ce que nous pouvons gagner cette guerre là. Sur le plan diplomatique, tokokai ko négocier yango, mais nous devons être forts dans la négociation. C'est sur la table de négociation que tokoki ko kende na ba ba argument ya ko convaincre batwana que non bandeko botika na numandu kito solo la. Voici la solution. Quelle est la solution que nous portons à ce que ça va convaincre les M23 Koloba, que nos M23 Oyo, Bandimi, que nous avons négocié, parce que plan auto tient ensemble en place et qu'on résoudre le problème à Bissonioso. Je vous avais dit que ce problème ici, c'est un problème à Kakaya STT, problème est global. Problème au bango baza ko réclamer ezali na communauté internationale bandimi ango ke barbité bato pe baza na raison. Pourquoi? Parce que Macron pe ayebisi biso papa yake ayebisi biso makambo alo bité makambo o boza ko likende na guerre bokolonga yango te parce que bokoka yango te depuis 94. Il faut vous réorganiser. Le Burundi nous ont même dit que nous n'avons pas une armée. Yango na balinga ki basali sa biso me ko sali sa biso, il faut d'abord biso moko to mi sali sa. Et c'est là où nous avions dit voici le plan que nous devrions avoir. Il faudrait que tous ala na solution moko globale o e ko inclure ba revendication nyoso ya ba groupe armé nyoso o eza na Ituri o eza na Goma o partout to solo la bien entre biso. C'est par là que nous devrions commencer. Et lo kwana nde fallait to banana yango depuis kala. Nous avions dit cela qu'il fallait que nous puissions nous mettre d'accord sur Makamunyo, surtout pour que Totia Kimia. Totia Kimia n'a rien ni. C'est en reconnaissant d'abord que ce que nous sommes en train de faire n'est pas en train de nous. Ezako ko propulser PT. Ezako ko tia PT na mboka na biso. Tozako kende. Babiloko justice eza malamu te. Babiloko nyoso on s'acquise mutuellement. Tozako linga ko reconnaître baninga te. Entre temps baninga bazako loba non biso tolingi boye biso tolingi boye. Kakofonie eza na kati. Toti kananu kakofonie na toti aba makamu nyoso tout ensemble. To réfléchir sur une solution globale. C'est ça que nous sommes en train de chercher ici. Donc moi je pense que les députés qui ont entamé cette forme de dire que non, nous devons négocier. Totiana nous met tokokende kuna na négociation. Pourquoi tozobanga négociation? Pourquoi est-ce que nous avons peur de négociation? Parce que le gouvernement n'a pas des arguments solides. Babiloko nyoso solution nyoso au gouvernement a été en place et que comme il s'habille son APT. Ça ne va pas nous amener à la paix, la solution que yangwana bazako banga balobité biso toko négocier té toko tchaba mixage té non qui vous dit que soki toke ko négociation toko kende kaka tondima babiloko nyoso bango bakondima té. Nous devons perdre, nous devons nous mettre d'accord. Yangwana biso atolobaki boye négociation ekoki ko porter té makambo ya ko résoudre problème ya M23. Il faut exhaler sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en nous organisant en se disant problème oyo bango baza ko loba eza problème yango eza ko kende na Congo central yango eza na Kwamutu yango eza na Lubumbashi eza na Katanga. Prenons une solution globale et c'est cette solution globale que nous avions proposé ici, c'est de refaire le Congo. Il faut te refaire Congo nyoso mobimba koloba bon to ko reformer armée asika. Mais dans quel est le cheminement? Armée ango to ko former ango ndenge nini? Comment est-ce que nous allons commencer par réformer cette armée là? Biso solution na biso ezali awa ya koloba to tikana no makambo ba élection. Bon bozomo na bino moko ke président za koloba ke non moyen to ke na ba élection ezali te parce que est-ce za occupé, est-ce za na guerre tout ça. Mbongo ezako kende kuna nous perdons de l'argent.
tozo bungi saka kambongo akoloba kembongo boe. Nous perdons du temps et nous perdons de l'argent parce que nous ne serons pas capables de gagner cette guerre là avec cette forme de l'État actuel. Yangwana biso toloba ki na table à négociation otoko kende. Toko ebisa banani ba M23 te ke noza elo kwa ba mixage non. Ezali kamba kokoti sabatu na banani te toko to réformer mboka. Nous devons refondre le pays et c'est ça cette négociation que nous devrons avoir directement en disant que gouvernement est sur place, mais voici, nous allons commencer à penser à une autre, un nouveau Congo. C'est là où nous nous sommes dit, appelons les états de lieu de chaque territoire. Chaque territoire, tout ça là-bas, conférence dans chaque territoire et la République démocratique du Congo. Nous sommes 145 territoires. Alors, on a contact pro live Toloba Kalikamwana Koloba Keno. Allons-y dans un projet de 145 territoires pour réfléchir sur une nouvelle constitution. Nouvelle constitution, on a eko prendre en compte Makambo eza basique na mboka na biso. Et c'est quoi? C'est l'identification de la population Bandeko. Toye banandenge nini batu nini bazalaka awa batu nini bakendaka wapi eloko nini salaka boe nini. Wanande fale to bandela. Soki to bandeli wana te na moni eloko moko toko salate. Paske soki to ke na ba M23 tolbi bon. Toko reforme arme asika. Mais ça ne sera pas une armée monolithique oba toba ya koto. Non. Nous devons d'abord nous asseoir sur une table et nous mettre ensemble en disant bon voici ce que nous allons faire. Plan abiso ezali boye. Ba état de lieu wana ezala na pouvoir ezala reconnu que non bato bazalaka awa, bato bazalaka awa. Chaque territoire ba yeba banani yango bazalaka na kati ya territoire. Comment est-ce que ces gens-là tokotinda bango na ko réformer armée asika? Comment est-ce que nous allons commencer à faire une nouvelle constitution? Tomi pesa pe tant. C'est comme ça que nous nous sommes dit négociation en photo que ne toi tout nyonso tout bandeko. Le pays est en danger et zakaka biso moko mtu toza ko linga biloko ana kende ndenge wana totika biloko ana réformons le pays mboka na biso to bandela yango. C'est comme cela que nous nous sommes dit Félix Tshisekedi amikuti que non eux moyen ça ezal susuté même à tête recruter combien de batu à tête au lobby que to kende masasi ekosi la té. Solution tozo kene na ngwe eko mema solution te. Yangwane foto kende biso nyonso to bandela to ta la constitution asika. Si nous y allons de cette façon là, M23 bako zala susu na nani akolobate ke non. Oh ba lingi biso te. Non, nous allons d'abord reconnaître les Congolais et le mettre ensemble en disant le pays, le nouveau Congo va prendre par exemple à partir de 2024, janvier 2024. Année Oyo ezali année ya to solo la biso nyonso to former constitution asika to zala na ba carte d'identité to yeba nani angwazo sala nini et à ce moment-là nous pouvons programmer koloba keno soki to zana constitution asika soki to ba constitution asika soki to réfléchir ba tu bazana retrocé bazana pouvoir ya ko gérer pa na bango na kimia na ko réformer police à proximité na ba territoire Oyo ba to na bazali. Il faut donner déjà le pouvoir. Donnons le pouvoir à tout le peuple. Mutua matela muninga te. Token de ko réfléchir sur Congo et Asika. C'est ça la solution que nous proposons ici. Et vous allez voir que Batouana bakoza la coincé. Ce n'est pas que nous. Ils reconnaissent que Tshisekedi aza président de la République. Ils reconnaissent que non, Mboke za na ezo kende mabe. Mais toko kende nango ndenge nini soki biso nyonso tout otie mayele ensemble te. C'est ça le problème que nous soulevons ici. Nous n'allons pas former une armée encore dans ce qui a été fait na ba mixage na banani sans que tout résoudre les problèmes fondamentaux en Mboka. Bandeko, moi je vais m'arrêter ici aujourd'hui, je ne voudrais pas, je lance cette boule, cette idée ici. Nazo lancé en na lobby boye bake toko kokate. Il faut tout vendre ensemble. Na nubiso nyonso to loba bon voici na Équateur na tous les 145 territoires batuba kende kosolola sur une nouvelle monture ya Congo. Et c'est là où nous disons que solution na biso yango wana. Yango wana na Luanda boko kende kuna boko loba nini? DDRCS batu ebite bazalaka ba rebelle ba nini? Nous devons réformer le Congo et inclure solution à batu nyonso batuna katia babituka na bango ba yeba keno toza ba congolais mais biloko ezo salema. Voici la solution, réfléchissons sur une solution globale et solution wana nde toko koloba keno toko présenter même na niveau international que toboy mutute toboy mais nous avons commis nous-mêmes biso moko mutu to komi simboka na biso na katia mikakatano oyo.
Mais maintenant, la solution, prenons la décision de que tozo fonde Congo Asika. Moutouna, moutouna, katia batouana, yangwana, tozo expliquer batou. Na contact pro live, tozo ko expliquer solution oyo. Je dis vraiment encore merci avec tous ceux qui réfléchissent que négociation est très important pour que tous les habitants soient au Est. Voilà, nous nous retrouvons prochainement dans un nouveau numéro. En tout cas, Bolanda Biso, abonnez-vous nombreux à notre chaîne pour que Boyoka Solution Wana. Ne manquez pas surtout au direct de samedi. Lobby samedi à partir à 16h, je crois, nous aurons déjà cette émission-là où nous expliquerons encore cette solution que nous proposons ici. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro, espérant que vous êtes en train de vous abonner et que vous ne manquerez pas au direct de demain samedi où nous allons expliquer encore la situation ou bien la solution que nous proposons. Au revoir.